d'Afresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.7 Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et bienvenue dans notre émission spéciale vacances qui va s'arrêter dans quelques temps seulement. Aujourd'hui, dans notre émission, on reçoit deux jeunes Gabonaises. L'une, c'est Jemina, et l'autre, c'est Greta. Greta et Jemina. Bon, je vais d'abord. Bon, je commence par qui Greta, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas? Super, et toi? Bien, la forme, merci. Et Jemina, comment tu vas? Super, et toi? Vous êtes des Gabonaises? Oui, bien sûr. Quoi, t'es d'où? Bah, moi, je suis du Grand Nord, hein. Je suis fond. Du Walentem et de Mivol, précisément. Ah, d'accord, tu connais bien, toi. Et Jemina, toi, t'es d'où? Je suis de Mivol également et aussi du Haut-Togo. J'ai un mélange. Okay. Ouais. Donc, on peut être d'accord que vous êtes deux Gabonaises. Oui. Mais en fait, vous êtes trois dans le groupe. Oui, mm-hmm. En fait, pas exactement trois, on est cinq, en fait. Cinq, hein? Dont exactement quatre à Libreville en ce moment. Et votre groupe, c'est le Tabouret Gang. Exactement. C'est venu d'où, cette idée? Vous vous êtes réveillé un matin comme ça, les boys... non, ça, c'est les boys band. Les girls band. Ça n'existe pas souvent. C'est beaucoup plus les boys band qu'on voit. C'est parti de quoi, l'idée de mettre en place un girls band? En fait, à la base, on est des meilleurs amis depuis une décennie. Mm-hmm. On est des meilleurs amis. Et en fait, c'est juste notre vie qu'on a commencé à partager. Mm-hmm. Nos sorties au restaurant, en boîte et tout ce qu'on faisait. Vu qu'on le faisait tout le temps ensemble, mm-hmm. on a commencé à partager nos photos ensemble. D'accord. Et à chaque fois, on employait le hashtag tabouret. Ouais. Voilà, c'était un hashtag comme Fali Poupa, il met Tokos sur toutes ses photos, mais il ne s'appelle pas le Tokos Gang. Voilà. Nous, on met tabouret sur toutes nos photos. Mais pourquoi avez-vous choisi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi avez-vous choisi le mot tabouret? En fait, tabouret, c'est notre philosophie. Ah, d'accord. On ne peut pas le dire, mais c'est... C'est un état d'esprit, voilà, en fait. Voilà, c'est un état d'esprit. Ça rapporte à quoi, cet état d'esprit? C'est une vision de la vie qui nous aide à avancer. À chaque fois qu'on pense qu'on est tombé au plus bas, cette philosophie-là nous aide à aller encore plus de l'avant et de ne pas abandonner. Comment vous avez senti à un moment que les réseaux sociaux, surtout la plateforme Instagram, était une force de communication pour vous? Ça a commencé par le fait que notre nombre d'abonnés, tous les jours, ça se multipliait. On ne réalisait pas. Parce que quand on comparait nos comptes à celui de certains Gabonais, on se disait, mais waouh, on est vachement loin. Mmh. C'est là où on a commencé à se dire, mais les gens, ils s'intéressent à notre vie. Mmh. Et c'est là où on a commencé à faire des photos pro, essayer de faire des shootings, essayer de passer à la télé, parce qu'à l'époque, on passait à la télé sur Gabon. Ah, donc vos photos, c'est des photos pro. Rien à voir avec un truc qu'on fait juste à la légère. Dès que vous avez senti qu'il y avait un buzz, vous avez professionnalisé les choses. Oui. Voilà, tout c'est est ça. Pensé. Même si c'est pris avec un iPhone, mais tout est pensé. Exactement. La façon de poser, la façon de faire, tout est pensé. Rien n'est fait au hasard. Ah, d'accord, ok. C'est quoi le concept sur Instagram? Faut avoir beaucoup d'abonnés. Les abonnés, c'est ceux qui vous suivent. Exactement. Et suivis, c'est ceux que vous suivez. Oui. Donc toi, tu as 71 000 abonnés et tu ne suis que 184 personnes. Tu ne follow pas back, quoi, en fait. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Hein. Bon, c'est pas le but en même temps. Ouais. Kim Kardashian, je pense qu'elle follow aussi 100 personnes, mais elle a 100 millions de followers. Ouais. Donc, c'est pas le but. Le but n'est pas de tout le temps se follow back. Mm-hmm. Après, les gens, s'ils s'intéressent à moi, ils me suivent. D'accord. Voilà, c'est ça. Jemina, toi aussi, t'as un sacré nombre de vues. Hein. C'est dingue. Tu as 54 000 abonnés et tu ne suis que 122. Oui, mais en fait, moi, je suis que mes amis sur Instagram. Ah, d'accord, voilà. Ok. Il y a des gens qui t'écrivent en inbox, quoi. Pourquoi tu ne me follow pas? Oui, bien sûr, bah, c'est normal. Mais bon, quand je ne connais pas la personne, j'ai du mal
Mais après, on peut faire connaissance et après, je peux te follow. Mais comme ça, à la base, je follow que mes amis, les gens que je connais. Mais après, vous gardez votre environnement restreint à vous, quoi. Oui. Vous ne vous ouvrez pas trop. Non, pas du tout. Difficilement. D'accord. Et qu'est-ce que... La dernière fois, je vous ai vu à l'Institut français, et puis il y a des jeunes filles qui venaient faire des photos avec vous. Ça vous fait quoi quand vous arrivez dans ce genre de situation? Ça nous fait trop plaisir. À chaque fois, on les snap tellement. Ça nous fait vraiment plaisir, en fait. Ah, vous êtes aussi sur Snapchat? Oui. Et par jour, on a 3000 vues. Hein. Et par jour, 3000 personnes qui regardent notre vie au quotidien, par jour. Quoi. D'accord. Fort de tout ça, là, vous avez décidé d'organiser une soirée. Voilà. C'est la raison pour laquelle vous êtes venu aujourd'hui dans notre émission pour en parler. La soirée s'appelle la soirée... Attendez, je vais retrouver l'affiche. Boum, boum, tam, tam. Le 6 septembre 2017 à 15h à la Pointe des Almadies. Mmh. Hein, c'est ça. C'est quoi le concept de la soirée? En fait, en ce moment, c'est une chanson qui fait le buzz, boum boum tam tam. Et nous, chaque fois qu'on met cette chanson en boîte, on devient carrément hystérique. Oh. On se met à danser partout, sauter et tout, faire la fête. Donc de là, on s'est dit, bah tiens, autant s'approprier la chanson et faire de ça le thème de notre soirée. Ah, d'accord, ok. Dans le clip, il y a un certain code vestimentaire que les femmes abordent. C'est beaucoup plus oriental qu'autre chose. Mmh. On va essayer de retrouver la vidéo si la connexion ne nous fait pas défaut. Rapidement. C'est beaucoup oriental qu'autre chose. Hein? Mmh. Vous n'allez pas nous faire un clip là où, vous n'allez pas nous faire un événement là où on va danser une seule chanson du début jusqu'à la fin. Mais non, pas du tout. Mmh. C'est juste une ambiance, c'est juste la façon de bouger, la musique, le rythme, c'est tout. Après, il n'y a pas de dress code. Le style vestimentaire, on n'est pas obligé de s'habiller en oriental. Mmh. Voilà. Et en plus, dans la chanson, hormis les danseuses orientales, il y a du twerk. Et nous, on va mettre le twerk en avant à notre soirée. D'accord, ok. Est-ce que on va voir si on peut regarder la vidéo, hein, pour qu'on ait une image de ce qui va se faire. On regarde ça et puis on se retrouve derrière. É a flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Com o bumbum. Vai, treme o bumbum tam 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 tam. É a flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Bumbum tam tam, mais c'est pas aussi sexy qu'on le dit. Bah si, on voit des formes, on voit des ventres. Bon, on voit d'accord, des vous n'avez pas peur, vu la société, la mentalité de la société, de se lancer dans de ce genre de concept? Non, pas du tout. Parce que je pense que quand on veut s'amuser, on a le droit de faire ce qu'on veut. Le but, c'est que les gens s'amusent, sans tabou. Ouais, mais ça peut avoir beaucoup d'explications. Les gens peuvent analyser ça. Genre, vous faites de la dépravation des mœurs. Vous faites que les photos, vous avez le succès parce que vous vendez vos corps. Les gens racontent beaucoup de choses sur vous. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Généralement, on ne répond pas. On entretient le mythe. Bon, mais moi, je pense que... Après, les gens pensent ce qu'ils veulent. Mmh. Au Gabon, ils ne sont pas prêts à accepter ce genre de vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris le concept d'influenceur web. Mmh. Aujourd'hui, les gens, ils se disent,
que quand on fréquente des stars, c'est parce qu'on nous présente des stars et on dit voici les filles avec lesquelles vous allez sortir pendant vos séjours. Alors que non. Nous, quand on rencontre les stars, c'est parce que les organisateurs d'événements nous présentent ces stars et nous demandent de faire la publicité de leur événement pour que ça fasse un buzz. Après, tout est pensé. Le buzz, qu'il soit positif ou négatif, il est buzz. Et l'événement a un succès. D'accord. Voilà, c'est ça l'événement boum boum tam tam, c'est demain, c'est le mercredi 6 septembre à partir de 15h. C'est quoi qui est au programme, hormis le fait que c'est dans le thème boum boum tam tam, selon MC Fioti qui a sorti le clip qui a déjà 271 millions de vues. Ah, c'est un truc de malade. Ouais. Je te promets, hein. Ouais. Il a battu les records. Hein. Ouais, ça c'est dingue quand même. Donc vous allez nous préparer quoi? Il y aura un DJ, voilà. Il y aura des trucs à bouffer, il y aura des... Puisque ça commence à 15h. Oui, mm-hmm. il y aura plusieurs animations aussi, mm-hmm. D'accord. Des concours, des jeux de boissons. Il y aura des body shots, un concept de body shot, c'est-à-dire... boire des shots sur le corps de quelqu'un. Tu d'accord. vois, une personne, on a prévu des filles, elle a allongé et on met des shots et vous venez, vous prenez des shots sur son corps, en fait. Donc, c'est la table, quoi, en fait. C'est, voilà, c'est elle la table. On a prévu aussi des danseuses pour chaque salon. Chaque personne qui a réservé son salon, il aura droit à une danseuse, des défilés de danseuses. Il y aura des jeux. Il y aura, bon, des prestations parce qu'il y a des artistes qui nous ont proposé de prester. Ah bon? Ah oui, il y a des gens qui nous ont contactés, qui voulaient se produire. On était très surpris. Et on s'est dit pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas valoriser ces jeunes-là qui essayent de s'en sortir. Donc il y aura des prestations surprises, il y aura deux DJ différents, un pour l'après-midi et un pour la soirée. Ouais, d'accord. Donc tout est prévu. Tout est en prévu, tout cas, l'ambiance sera au rendez-vous. C'est combien l'entrée? 5 000 avec ça, une conso. D'accord. À part ça, il y a des réservations? Oui, bien sûr. Les réservations commencent à partir de combien? 80 000. Ah, d'accord, c'est abordable. C'est abordable, oui. D'accord, la soirée commence à 15h. L'événement commence à 15h, ça termine à quelle heure? 2h. 2h après, le Gabonais, il est Gabonais, donc il y en a certains qui vont partir à 4h. Mais, normalement, vous, à 2h, vous enlevez tout et vous partez. Non, pas du tout. On va essayer de satisfaire le client au mieux. Donc, voilà. S'il veut rester, bah. Vous avez prévu la sécurité et tout ça? Bien sûr. D'accord. Oui. À la sécurité, à la rentrée. Oui. Ok. Si les gens veulent vous appeler pour réserver, comment ils font? Vous avez une infoline? Oui, on a une infoline. D'accord. C'est le 02 19 43 72. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est lequel? C'est le 06 29 79 89. 06 29 79 89. 89. Donc là, l'événement Boum Boum Tam Tam, c'est la première édition ou bien c'est juste un événement que vous avez fait comme ça ou vous allez encore refaire d'autres événements? C'est la première édition, je dirais. On compte en refaire plein d'autres. Plein d'autres. On a des idées. Depuis que vous avez posté votre affiche sur les réseaux sociaux, vous avez des retours? Oui, bon, on a mis sur Instagram que hier. Ah d'accord, ok. Sur Instagram, on a mis que hier, mais par exemple sur Snapchat et Facebook, beaucoup de gens commandent, beaucoup de gens appellent pour réserver. On a des salons qui sont déjà réservés, on a plein de retours en fait. D'accord. Vous avez fait une séance photo spéciale pour l'événement. Spéciale, avec vraiment les tenues, boum boum tam tam quoi. Ah d'accord. Quand on regarde votre Instagram, on voit que vous bougez beaucoup. Hein. Et puis, vous mettez beaucoup en valeur certaines parties du pays. La Pointe-des-Nez, le stade d'Angondje, les artistes gabonais, les BGMFK. Vous avez certains artistes que vous ciblez forcément. Quoi. Il vit bien sûr sans famille. Hein. D'accord. Ouais, ça reste en famille. D'accord. Merci, Jemina. Merci, Greta. Vous avez tu as quelque chose à ajouter pour l'événement de demain? Ben, en tout cas, on vous attend nombreux. Comme j'ai dit sur mon profil Instagram, l'ambiance sera là, nous on sera là, les artistes seront là, il y aura tout, il y aura les jeux. Donc, venez, vous ne serez pas déçus. Et Greta? Bah, moi, j'invite tout le monde, surtout les belles filles. Là. Je mets au défi la fille qui sera mieux habillée que moi, je lui offre une bouteille de champagne. D'accord. N'oubliez pas que l'événement Boum Boum Tam Tam, c'est le mercredi 6 septembre 2017. Et c'est à Libreville, à la Pointe des Almadies, c'est au quartier, lui, c'est ça? Oui. D'accord. Ok, c'est couvert s'il ne va pas pleuvoir et tout? Oui, c'est couvert. Une partie. Il y a une partie qui est couverte, il y a une partie qui est dévoilée, mais... S'il pleut, les gens n'auront qu'à rester à la partie. Mais les 60% de l'endroit, il est... Vous attendez au maximum combien de personnes? Au minimum? Minimum 250, 300 personnes. D'accord, minimum. Ok. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon.
Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5 Urban FM. Stop fresh morning. Urban FM.fm.